Attention, cette chronique contient des spoilers. Vous voilà prévenu. Salut, c'est Vincent, et aujourd'hui... aujourd'hui, apparemment, je vais vous présenter l'émission à l'envers. Bon, à tous les coups, ça c'est un coup de very bad. Ce n'est pas une défaillance de ton écran. À partir de maintenant, je contrôle les horizontales et les verticales. Mais vous avez ça à foutre, putain! Je croyais qu'on avait dépassé ce stade. J'arrivais presque à vous supporter, moi. Je suis le plus grand super vilain de la galaxie. Et avec cette application, je prends le contrôle de cette émission. Ah ouais? Et c'est qui la présentera? Moi, évidemment. Vous? Et vous avez lu un comics? Ouais, j'ai lu une histoire d'une page au dos d'un paquet de céréales ce matin. Rock'n'roll! Et vous savez de qui je vais parler au moins pour me remplacer? Aucune idée. Alors vous taisez, vous me laissez faire. Bon, aujourd'hui je vais faire dans l'originalité. Je vais faire comme 90% des podcasteurs mondiaux qui sortiront une vidéo ce mois-ci. Je vais vous parler de Deadpool. Et plus précisément du tome 1 du Deadpool Corps. Allez, on y va! Deadpool Corps tome 1, écrit par Victor Gichler et dessiné par Rob Liefeld, Wiles Portacio, Paco Medina, Kyle Baker et Philip Bond. Victor Gichler est un romancier américain spécialisé dans les polars et la science-fiction, à qui on doit entre autres John Monkey, Go-Go Girl of the Apocalypse et Gestapo Mars, un bouquin qui raconte comment les nazis ont conquis Mars et notre système solaire après avoir détruit la Terre. Il y a aussi quelques comics comme Death of Dracula, Wolverine Revolver ou Conan, The Phantom of the Black Coast. Rob Liefeld, qui est un des créateurs de Deadpool, et Wiles Portacio sont connus pour avoir fait partie de l'équipe qui a créé la société Image Comics, quatrième plus gros éditeur de comics aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. Quant à Kyle Baker, il est dessinateur récompensé à plusieurs reprises pour son travail comme sur Plastic Man ou le 5ème Beatles. Paco Medina est un artiste mexicain connu pour son travail sur Nova, et Philip Bond, un artiste britannique qui a travaillé principalement sur la collection Vertigo. Vertigo, filiale de DC Comics, qui diffère par ses thèmes plus violents, plus adultes ou plus sexuels. Bref, Deadpool, créé par Rob Liefeld, comme on se retrouve, et Fabian Nicieza, apparaîtra pour la première fois dans The New Mutant, numéro 98, en 1991. Deadpool raconte l'histoire de Wade Wilson, assassin travaillant pour une cellule secrète de la CIA. Un jour, se sachant condamné par de multiples tumeurs, il accepte de servir de cobaye dans le cadre du projet X. Il reçut alors son pouvoir régénérant, le même que Wolverine, mais fut atrocement défiguré. Il deviendra par la suite mercenaire et combattra des héros tels Cable ou Wolverine. Deadpool a plusieurs atouts en plus de son pouvoir de régénération. Il a une endurance et une force plus élevées que la normale, il est un excellent tueur en combat rapproché et possède un appareil portatif de téléportation qui est bien pratique. Mais ce qui fait le petit plus de Deadpool, c'est qu'il est conscient d'être dans un comics, ce qui le rend complètement fou aux yeux des autres personnages. D'ailleurs, cette perception de la bande dessinée est présentée comme un pouvoir par les scénaristes. Il y a des jours, je me demande si on n'est pas dans un comics finalement. On serait dans un comics, j'aurais des super pouvoirs, un husky aussi fort que moi, je passerais mon temps à me battre contre vous et à la fin j'essaierai de me taper la meuf qui m'a friendzonné. Alors je te rassure tout de suite, si on était dans un comics, rien de tout ça t'arriverait, à part l'histoire du friendzonage. Deadpool Corps, le bouquin commence en nous expliquant par un petit synopsis que Wade Wilson, donc le Deadpool que nous connaissons, a été choisi par l'un des doyens de l'univers, le Contemplateur, pour affronter un danger qui menace le multivers, et que pour cela, il doit convaincre ses doubles de s'unir à lui pour former le Deadpool Corps. Et on voit que l'action commence sur une terre où l'Amérique est apparemment en état de guerre, et que le Deadpool de cette dimension est une femme, qu'elle s'appelle Wanda Wilson, et que le chapitre s'appelle « Femme, je vous aime ». Merci le système métrique. Bref, on voit qu'elle se bat contre un Captain America fasciste qui est ici Général America et qu'il a un bras cybernétique à la manière d'une soldat de l'hiver. Ce chapitre n'apporte pas grand chose, on voit Wanda combattre des militaires et s'ensuit un combat contre Captain General fasciste America. Et notre Deadpool qui arrive, fait des blagues et aide Wanda qui plante le cap. Et qui part avec Wade à la recherche d'autres Deadpool. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout dépité. Par quoi? Par le fait que vous me faites passer pour un con ou parce que le comics commence comme un épisode de milieu de saison d'Agent of Shield? Mais pour passer pour un con, t'as jamais eu besoin de moi. Non, là je te parle du comics. Continuez, hein, on va voir si ça s'améliore. Donc l'histoire continue sur une autre terre et dans une autre dimension à l'Institut Xavier. Et on y voit le professeur X qui essaye des perruques et qui ressemble plus à une ordure qu'à un mec sympa dans ce monde. Il est assisté par Tornade qui lui dit qu'il ressemble au commandant Picard dans Star Trek. Bref, on apprend que Xavier veut pécho Emma Frost, qui tient un orphelinat de jeunes mutantes, et que c'est pour ça qu'il essaye toutes ses perruques. L'action continue, on y voit un gamin Deadpool faisant la misère à un gamin Cyclope. Et on nous donne le titre du deuxième chapitre, qui est... Dur d'être un bébé. Non mais ils sont sérieux là? À quel moment les traducteurs ils ont cru que c'était drôle ça? Donc je disais, Deadpool Kid emmerde Cyclope Kid avec une blague qu'on a tous vue dans les séries américaines qui consiste à remonter le caleçon de la victime jusqu'à qu'il se déchire. Le fauve, qui est leur professeur, les prend en flag et les envoie tous les deux chez le directeur qui est Tornade et non Xavier. Et décide de les punir tous les deux, et ça malgré les supplications énervantes de Cyclope qui est en fait finalement qu'un de ces gamins pleurnichards qu'on aimait faire chier quand on était à l'école. Les deux gamins sont donc envoyés dans la salle des dangers, qui est en quelque sorte comme la salle de l'esprit du temps dans Dragon Ball. Et on apprend que Cyclope a les codes d'accès pour activer le mode combat de la salle, car il est un bon élève.
Et là, on se dit que Tornade dans cette dimension est plus conne encore que le traducteur français, car elle envoie dans une salle super dangereuse deux gosses qui ont des pouvoirs phénoménaux et qu'elle n'a même pas pris le temps de savoir si l'un d'eux avait les codes d'accès pour foutre le bordel. Moi je dis ça, je dis rien. Bref, Cyclope rentre les codes pour transformer la salle en arène de combat, et on y voit Kitpool prendre des sabres laser comme dans Star Wars pour combattre son camarade du moment. Wow, y'a des sabres laser à la Star Wars dans l'univers Marvel? Bah il doit bien en avoir, mais comme dans Star Wars, pas à ma connaissance. Bon, dans la suite des événements, on y voit Kitpool qui est plus balèze que Cyclope car en plus d'avoir des sabres laser, il fait des balayettes. Kitpool demandant à Cyclope d'ouvrir la salle de l'esprit du temps car il a ses putains de codes d'accès pour aller foutre la merde à la réception que Xavier a préparée pour Emma Frost et à ses gamines mutantes. Et là on se demande pourquoi ces petits cons ils sont pas sortis avant. Xavier qui ressemble à Bon Jovi avec sa perruque blonde et qui est en mode gros lourd avec Emma Frost. Quelques-uns de nos héros en mode gosse et on voit que même dans cette dimension, Wolverine et Deadpool peuvent pas se blairer. Une bastion entre Kitpool et le crew de Wolverine. Toute l'école faisant des reproches à Wilson et le Deadpool que l'on connaît venant chercher son double pour rejoindre sa bande. L'action continue avec directement le troisième chapitre qui met en scène un autre Deadpool qui est cette fois un chien. Et le titre de ce chapitre est Combien pour ce chien dans la poubelle. Bon, il est où le traducteur? Il est où son nom là? C'est pas possible de faire des blagues aussi ringardes. Ce chapitre au nom grandement MDR commence dans un laboratoire où on y voit des putains de scientifiques de merde qui font une expérience sur Wilson, un pauvre chien, car faire des expériences sur des animaux sans défense est trop cool. Et on devine que le pauvre toutou est le Deadpool de cette dimension. Comme pour nos Deadpool, le chien est considéré comme un échec par les scientifiques. Mais c'était sans compter sur le pouvoir de régénération que ces idiots venaient de lui donner. Et c'est là que le cabot déchire le sac en plastique et décide d'aller vivre sa vie en essayant de trouver du réconfort et de la nourriture envers les humains qui le chasseront pour son aspect. Le toutou, lassé d'être chassé, décide alors de se suicider en se jetant sous les roues d'une voiture. Il est projeté devant un camion ou un patron de cirque et un clown qui change une roue, car c'est bien connu que les clowns, à part leur représentation, ne se changent pas et ne se démaquillent pas. En tout cas, les deux individus voient le chien se relever miraculeusement. Ni une ni deux, les deux hommes décident de prendre l'animal avec eux, l'utiliser pour en faire un numéro et gagner beaucoup d'argent. A partir de là, le cirque appellera l'animal, Deadpool le chien trompe la mort, et l'utilisera dans des numéros plus dangereux les uns que les autres où Wilson trouvera la mort à plusieurs reprises, mais se relèvera toujours grâce à son pouvoir de régénération. Putain d'humain, il mériterait que je les désintègre. Ah, pour le coup, je suis d'accord avec vous. L'action continue et un soir durant une représentation, les deux scientifiques qui avaient jeté aux ordures Wilson sont présents. Le reconnaissant sous le masque de Deadpool, le chien trompe la mort et décide de le capturer car ils ont compris qu'ils ont injecté un pouvoir de régénération. Mais c'était sans compter sur la mémoire du cabot qui reconnaît ses bourreaux et les attaque sans ménagement. Les deux hommes étant impuissants devant la force du chien s'enfuient et décident de créer une autre créature à partir d'un chien qui décide d'appeler Wolverine, décidément, et l'amène au cirque pour que Wolverine tue Deadpool, le chien en pleine représentation et devant le public présent. Le combat commence et les gens sont contents de voir un combat de chien qui est normalement interdit, même dans leur dimension, et devant les deux hommes qui ont recueilli Wilson. Et qu'ils ne savent pas si cela fait partie du spectacle ou pas. On voit le professionnalisme. Enfin bref, le combat a lieu et on y voit Wolverine qui sort ses griffes pour tuer Deadpool. Mais ce dernier étant plus malin le fait tomber dans le canon pour l'envoyer dans un bac d'acide où il devait finir. C'est à ce moment que le vrai Deadpool véritable qu'on connaît entre en scène, prend le chien et se barre dans une autre dimension sous les applaudissements du public. Apparemment content de voir un chien se faire liquéfier dans un bac d'acide. Putain mais il est dégueulasse ton bouquin. Vous essayez de robotiser tous les animaux de la planète et vous tuez tous les gens qui se moquent de votre coupe de cheveux, et là vous dites que mon bouquin il est horrible? C'est pas l'hôpital qui fout de la charité là? Eh, hey, mais si je robotise les animaux, c'est pour qu'ils puissent se protéger, pas pour les buter. Et tu sais, tout au fond, je suis presque un mec sympa. Après cette interlude fort intéressante, l'action du comics continue apparemment dans notre dimension à nous, où un groupe de pirates attrape une tête de zombie Deadpool qui parle et qui veulent ramener au Dr. Killcraven qui vit sur l'île du crâne de la chèvre, un nom ravissant pour une île. En arrivant sur l'île, le capitaine des pirates et son timonier, qui porte la tête du Deadpool zombie, font connaissance avec la fille du Dr. Killcraven. Ah, c'est bizarre ces deux-là, j'ai l'impression de les avoir vus déjà quelque part. Bref, on voit que le Dr. Killcraven est intrigué par cette tête de zombie, et qui veut l'étudier du plus près. Et c'est à ce moment qu'on apprend que Killcraven est une espèce de Dr. Moreau mais en moins classe, et fait des croisements hybrides entre espèces. Et c'est là que la tête de Deadpool zombie dit que les pirates ont l'air de sortir d'une sitcom ringarde. Ah, mais ça y est, j'ai trouvé Gilligan Island! Gilligan Island, c'est quoi cette chose? C'est une série des années 60 qui passait sur M6 quand la chaîne était bien encore. Ça raconte l'histoire de 5 passagers qui s'échouent sur une île déserte, et le générique ça donnait ça. À bord il y avait le matelot et le vieux capitaine. 5 passagers partis sur un pour 3 heures à peine. Et franchement, on dirait pas Gilligan et le capitaine? Je constate surtout qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un petit peu chier toute son enfance devant M6. Bon, c'est à ce moment que le vrai Deadpool véritable rentre en scène. Tue les pirates, tue Killcraven, baise la fille de Killcraven et retrouve la tête de zombie Deadpool qui avait réussi à s'enfuir en soudoyant son geôlier. Les deux Deadpool partent alors dans la dimension où les autres Deadpool les attendent. Le chapitre suivant, qui est le dernier, commence sur... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce dessin? On se dirait dans un jeu Saturn? Ou dans le clip de Dire Straits, la Money for Nothing? Bon, on va arrêter ici le massacre. Deadpool Corps, tome 1, ça sent un peu la merde. Je m'explique.
C'est sympa de nous montrer quelques autres dimensions où d'autres Deadpool n'étant pas forcément un homme d'une trentaine d'années officie. Mais pour le coup, les histoires qu'on nous montre dans chacun des mondes ne sont pas super intéressantes. Celle du toutou Deadpool est la seule qui est pas trop mal et qui arrive à apporter quelque chose d'autre. Celle du gosse aurait pu être sympa, mais en voulant trop en faire, ils ont raté ce chapitre. Hormis le dernier chapitre qui est une purge niveau dessin, les quatre précédents sont plutôt bons. Très bons même, je dirais. Les dessins de Rob Liefeld du premier chapitre sont de toute beauté. Mais en même temps, c'est normal, il est un des créateurs de Wade Wilson. Portacio et Medina tirent leur épingle du jeu avec leurs chapitres respectifs. Par contre, Baker, c'est mauvais. Très mauvais, voire extrêmement mauvais. Je vais être clair, j'ai jamais été un grand fan de Deadpool. Pour moi, il est beaucoup moins intéressant que d'autres héros. Je pense que les gens ne s'intéressent qu'à lui car les auteurs lui font balancer de la référence à tout va, et forcément, à un moment donné, ça va toucher. La preuve en est, c'est que même dans les titres des chapitres, on pousse la référence, et c'est pas forcément drôle. Deadpool Corps, tome 1, est édité depuis 2011 chez Panini Comics, et est facilement trouvable sur le net et en magasin. Et pour finir, je valide pas du tout ce comics. J'ai un coup de barre, moi je vais faire une sieste, hein. Ah bon? Parce que vous êtes plus le plus grand méchant de l'univers qui veut prendre le contrôle de mon émission. Tu te moques de moi, là? Moi? Jamais. Si, si, tu te fous de ma gueule, là. Non, c'est du second degré. Du second degré? Mes couilles, ouais. Non mais c'est quoi ce bordel, là? Non mais c'est pas drôle, là, hein. Pour venir, hein. Non mais revenez. Revenez. Revenez, Dr. Beriman. Bah là, c'est la fin de la vidéo, donc là, tu vas voir soit d'autres vidéos sur notre chaîne, soit tu peux t'abonner ou nous rejoindre sur Facebook, comme tu veux. Allez, ciao !